en 2006 et j'évolue au poste de latéral droit. J'ai commencé le foot à l'âge de mes 5 ans dans le club de ma ville. Ensuite, de mes 6 à mes 7 ans, je suis parti au Stade Brestois. Et donc, ensuite, avec ma famille, nous avons déménagé en Espagne pendant 7 ans, où j'ai évolué les 3 premières années à l'école de foot du Barça. Et ensuite, les 4 années, j'ai joué à Cornellà, donc, qui est un club qui correspond ici à la Nationale 1. Ensuite, donc, pendant la période du Covid, nous sommes revenus en France, où j'ai fait U16 et U17 au Stade Brestois. À la fin de U17, j'ai pas été conservé donc à Brest. Pour moi, c'était important de trouver un club dans le monde senior. J'avais pas trop envie de faire une saison U18. Et j'ai eu la chance de trouver un bon club de R1, donc de senior R1, qui est Plougastel, où j'ai vécu une très belle saison et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et donc voilà, à la fin de cette belle saison, j'ai eu la chance de saigner au Stade Plabennécois en National 3. Donc ce qui m'a séduit pour aller à Plabennec, donc c'est les ambitions du club. C'est un club qui a connu donc le monde N1 et N2, donc du plus haut niveau. C'est pour moi ce qui se fait de mieux dans le coin. Ils font beaucoup jouer les jeunes, donc ils font confiance en leurs jeunes. Moi, je ne pouvais pas espérer mieux. Voilà, c'est un monde au-dessus de la R1. Avec des très bons joueurs expérimentés, un bon projet. Donc voilà, moi je suis vraiment très content et j'ai vraiment pas hésité dans ce projet. Alors oui, c'est sûr que passer de Régional 1 à National 3, donc il y a un monde. Ça va être donc une belle expérience pour moi, pour ma progression personnelle. Moi j'ai vécu une saison en Régional 1 où j'étais agréablement surpris par le niveau. On rencontre des très bons joueurs qui ont fait des belles carrières, des jeunes joueurs également. Donc voilà, c'était un niveau très dur, très costaud, avec un très bon niveau, avec également des clubs pro. Donc j'ai vécu une très belle saison où on m'a intégré facilement au groupe. J'arrivais d'une saison blanche au Stade Brestois où du coup j'avais perdu ma confiance. Moi j'avais uniquement envie donc de reprendre confiance, de jouer, de prendre du plaisir. Et c'est tout ce que j'ai retrouvé à Plougastel, où j'ai vraiment, voilà, j'ai rien à dire sur ma saison. Et où j'ai beaucoup travaillé aussi à côté de ça, donc ça demandait beaucoup de travail. Et donc voilà, je pense que cette signature au Stade Plabennécois, bah, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la récompense qui s'offre à moi après beaucoup de travail. Du coup voilà, donc moi qui a vraiment envie de continuer à progresser et à évoluer dans le foot. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose qui puisse m'arriver pour moi. Et puis voilà, et vraiment très content et j'espère évoluer encore plus au fil des années. Donc oui, j'évolue au poste de latéral droit. Donc je définis plutôt mon style de jeu comme un latéral moderne. Je suis un latéral qui aime beaucoup attaquer, qui aime beaucoup avoir son côté avec beaucoup de liberté. Voilà, j'aime beaucoup partir de plus loin, déborder, centrer, être décisif, jouer un contre un. Ça, c'est vraiment ce que je préfère à mon poste. Sinon, voilà, je reste aussi en place. Donc, ça dépend de ce qu'on me demande aussi. Je sais m'adapter. Mais c'est dans un premier temps de défendre ce qu'on demande à latéral et ensuite attaquer. Et pour moi, c'est ce qui fait ma force en tant que latéral, c'est plutôt ma projection vers l'avant. Donc mes principales qualités, donc moi j'aurais plutôt dit les qualités physiques, où j'ai une bonne facilité à répéter les efforts, donc avec une bonne VMA. Et qualité de vitesse aussi, donc avec une bonne vitesse de pointe. Et sinon j'aurais également dit donc sur l'aspect technique, où j'ai su bosser ça et j'ai bien progressé sur ce domaine-là. Et que ça soit être donc entre guillemets plus serein avec la balle. Et donc voilà, ça serait plutôt mes qualités. Donc dans quoi je dois m'améliorer, ça serait plutôt donc dans les duels un contre un défensif, voilà, où je dois être plus efficace, prendre moins de risques à la récupération, mettre plus d'impact entre guillemets, parce que voilà, en Régional 1 ça passait l'agressivité, mais en National 3 le niveau sera, voilà, ça va être au-dessus entre guillemets. Du coup, c'est être plus efficace dans les duels. Donc mes objectifs pour moi donc à Plabennec cette saison, donc ce sera donc dans un premier temps m'intégrer le plus rapidement possible, prendre beaucoup de plaisir et évidemment avoir du temps. Donc j'aurais fait ça, moi je serais déjà satisfait.
apporter également ma joie de vivre au groupe. Et puis voilà, donc pour mon point personnel. Et sinon, pour le point collectif, ça serait faire une très belle saison, jouer le haut de tableau si c'est possible. On sait que ça sera un championnat très relevé avec des très belles équipes, dont plusieurs clubs pro. Mais voilà, faire une belle saison et donc un très beau parcours en Coupe de France. On sait que Plavennec a vécu des beaux moments en Coupe de France. Et si c'est possible de reproduire ça. Donc voilà, une belle saison au tableau, beau parcours en Coupe de France et avoir du temps de jeu, pour moi, ça serait la plus grande des réussites.